Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de SOS Parents, un programme pour vous parents ainsi que pour ceux qui participent au quotidien de nos adolescents. L'ambition est de consolider les bons comportements et puis rectifier les mauvais. Ce soir, nous nous intéressons à la langue maternelle. Elle fait partie de notre patrimoine culturel et constitue notre identité profonde. Nos premiers mots ont été appris dans cette langue transmise par nos parents, mais à notre tour, avons-nous transmis cet héritage à nos enfants? À l'observation, non, car les enfants parlent de moins en moins leur langue maternelle, lesquelles sont sur le chemin des oubliettes. Comment en sommes-nous arrivés là? Il faut plus que jamais rectifier le tir et nous allons voir comment avec nos invités sur ce plateau. Notre rubrique mots d'enfants fait un gros plan sur l'appendicite avec la pédiatre Sandrine Mendouga. Ce sera aux environs de 21h35 minutes. En fin d'émission, nous prendrons le cri de cœur d'un parent. Le Cameroun s'est joint au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de la langue maternelle. C'était dimanche dernier, 21 février, une célébration dans un contexte où nos langues se meurent. Elles sont très peu parlées par les enfants de nos jours. Pour tenter de comprendre cette situation alarmante, nous recevons le révérend Daniel Ngando Elessa. Bonsoir, révérend. Bonsoir, mademoiselle. Vous allez bien? Bien, merci. Révérend, dites-nous, pourquoi est-ce que nos langues maternelles ne sont pas assez parlées de nos jours? Le premier problème, c'est que ceci a commencé très loin dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève n'ont pas pu accomplir leur responsabilité parentale. Ils ont été chassés du jardin, ils ont évolué ailleurs. C'est ainsi que Ève n'a pas pu encadrer ses enfants pour leur donner, leur transmettre, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, cette langue maternelle. Et finalement, nous avons vu que par manque de la présence maternelle, avec la langue maternelle, qui est le cœur essentiel de la famille, Caïn et Abel se sont séparés d'une très mauvaise manière. Ceci a donc envahi toute l'humanité. Et de plus en plus, qu'est-ce qui arrive, par exemple, dans les pays africains? Les pays africains sont influencés par les langues étrangères. Et nous découvrons que, même à l'école, c'est toujours les langues étrangères qui sont parlées. Mais je donne un exemple. Dans un voyage au Nigeria, je découvre que la langue maternelle, pas seulement dans la famille, mais dès l'école maternelle jusqu'à l'université. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Alors, je découvre que le Cameroun doit en faire autant. Malheureusement, il y a ce blocage. Quand est-ce que le Cameroun prendrait ça au sérieux? Mais petit à petit, on constate quand même qu'il y a des initiatives dans nos écoles, par exemple, on demande déjà aux enfants de s'exprimer en langue. Ça s'exprime, mais il fallait que les enfants l'apprennent. Jadis, dans la côte camerounaise, la langue maternelle, la langue douala, vous ne pouvez pas accéder, disons, à l'école des Blancs sans avoir appris la langue maternelle. Est-ce qu'il n'y a pas eu un relâchement au niveau des parents? Effectivement, avec le mouvement, les déplacements des parents, beaucoup de parents sont allés dans les pays étrangers, peut-être même dans les pays africains, où ils découvrent que là-bas, il y a une nouvelle langue. Donc, ils sont obligés de faire avec soit le français, ou l'anglais, ou le portugais, ou l'espagnol. Est-ce qu'on n'a pas aussi les migrations, c'est-à-dire le fait que les parents soient quittés des villages, des zones rurales, pour converger vers les villes, et en ville, on a une langue majoritaire? Effectivement, les migrations, l'exode rural a beaucoup contribué.
Si vous regardez tous les enfants qui viennent du milieu rural, une fois qu'ils arrivent en ville, dans quelques mois, ils ne vont plus parler la langue maternelle. Cette influence est devenue très puissante. Alors aujourd'hui, le ministère de l'Éducation doit réellement apporter sa force. Parce qu'il ne faut pas que ça reste dans des conférences. Les conférences ne vont pas du tout avancer. Faire avancer ça, il faut que ce soit pratique. Et nous allons voir tout au long de cette émission comment faire pour d'autres transmettre la langue maternelle à nos enfants. Colin Bekata, il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous allez bien ce soir? Très bien, merci. Vous avez fait un reportage sur l'extinction des langues maternelles. C'est un élément que vous avez réalisé avec le concours de Cyril Nantian et Eliane Enene. Je ne comprends pas ma langue maternelle. Le constat est là, le malaise chez cette jeune fille est perceptible. À ses dépens, elle ne fait pas bon usage de sa langue maternelle. Ce n'est pas un cas isolé malheureusement, tant ils sont légions qui font peu de cas de celle-ci dont l'importance dans la société n'est plus à démontrer. C'est un moyen indiscutable par lequel transitent des traditions culturelles entre plusieurs générations. Elle met en connexion enfants, parents et la communauté qui va construire leur identité. Si jadis, les parents enseignaient à cœur joie ce qui devrait être les premières leçons orales pour leur progéniture, c'est la tendance inverse qui semble prévaloir dans les ménages. Les langues coloniales ont droit de cité dans les familles. Oui, dans la logique où l'amour détruit des barrières ethniques, il peut être compréhensible que des enfants issus d'un couple exogamique recherchent des repères de la pratique d'une langue locale dans la mesure où les parents font usage courant d'une langue occidentale. Ces derniers n'en sont pas moins responsables quant à inculquer des valeurs à leurs enfants, les premiers au rang desquels la langue maternelle, aussi faut-il qu'ils en aient la maîtrise dans un contexte où elle est en désuétude. Le regret tient donc de ce que dans bien d'autres cas, et pour des raisons difficiles à expliquer, les parents qui appartiennent à une même communauté élèvent les enfants dans une langue autre que la leur. Au mieux donc, ils n'en ont qu'une connaissance approximative. Ma langue maternelle, on appelle ça le mambelema. Donc ici le Ntonga. Malheureusement, quand je cause ça à l'intérieur avec les enfants, dehors, ils se retrouvent toujours avec les autres à causer le français. Ça fait que ça ne passe pas vraiment très vite comme je voulais. Mais sinon, ils essaient déjà de se battre à le faire. Et au pire, dans la plupart des cas, des préjugés aidant, ils ne veulent même pas s'assumer comme appartenant à telle ou telle autre communauté. J'ai eu la honte de ma vie quand je suis quitté du Koumouende pour la 6e à Yaoundé, où quand on voyait quelqu'un qui mangeait du cuit, un meuble de chez nous, on disait bami, bami. Du coup, on avait même du mal à s'exprimer en langue maternelle, de peur qu'on nous dise bami comme si c'était une trahison quelconque. Bon, c'est un peu ça, c'est l'acculturation tout simplement. Les avantages inhérents à la maîtrise par les enfants de la langue maternelle sont pourtant innombrables. Dans certains cas, l'enjeu porte sur une opportunité de carrière. Par exemple, j'ai un concours en faculté de médecine où je suis en train d'exposer. On peut me poser la question de savoir, ou bien on peut me bloquer sur le fait que si on vous envoie soigner votre grand-mère, par exemple, est-ce que c'est en français que vous allez lui parler? Bon, j'ai cet avantage-là parce que je peux parler avec n'importe quelle de mes grand-mères et elle me comprendra facilement. La connaissance de la langue par les membres d'une famille peut contribuer à protéger cette dernière. C'est très important parce que quand on est avec les étrangers et que peut-être vous êtes avec votre fils au milieu des étrangers, vous pouvez parler quelque chose que vous ne voudrez pas que les autres soient au courant en votre langue avec l'enfant. Vous pouvez même faire des signes à l'enfant en votre langue maternelle sans attirer l'attention des autres. C'est très important. Certains parents savent-ils seulement combien leurs enfants veulent apprendre leur langue? Si ça m'intéresse, j'ai même longtemps cherché un centre, mais il n'y en a pas ici. Il y a juste un centre pour les doigts là. Or moi, je suis boulou. Bon, j'ai demandé à ma mère, m'a dit d'aller voir mon père. Or mon père, il n'est jamais ici.
Les petits ne demandent ainsi qu'à être identifiés. Toutefois, le bien fondé de la chose n'est malheureusement pas ignoré de tous. Ils sont aussi nombreux des jeunes gens qui s'assument par l'usage de leur langue maternelle, certains bien qu'étant influencés par la culture occidentale. Bien sûr que je fais bon usage, bien que je ne vis plus au Cameroun. Je me souviens que je m'exprime très bien en langue maternelle. Quoi. Ceci n'est rendu possible que par des parents qui n'ont pas ménagé des efforts pour l'intérêt de leurs enfants sur ce volet. Il y a la grand-mère qui nous parle en langue maternelle et la maman qui fait les efforts aussi, mais parfois aussi en français. Qu'il est beau d'entendre son enfant décrypter les codes de sa langue maternelle. Comme en refrain, ils adressent aux leurs des salutations. C'était pour dire bonjour à toute la communauté Bamoun. De retour sur ce plateau, c'était bien le reportage de Colombe Catal. C'est un rendez-vous à ne pas manquer sur cette antenne tous les mercredis à 21h. Colombe Catal, un mot en votre langue? Ah oui, bien entendu. Vous étiez au contact de ces jeunes Colombe Catal. Quelle est la tendance quant à l'usage de la langue maternelle? Eh bien, ce sont les langues coloniales, n'est-ce pas, qui prévalent, qui ont pignon sur rue. Que ce soit chez les tout petits ou encore chez des adolescents, même chez des adultes, c'est le français, sincèrement. Parce que lorsque nous avons parcouru des lieux, nous nous sommes rendu compte que c'est très peu juste, n'est-ce pas, qui avouaient devoir s'exprimer en leur langue. La plupart étaient même méfiants à la limite, à la langue, parce qu'ils sans doute se sentaient-ils évalués à coup sûr avec une caméra. Même les langues maternelles, les langues maternelles au Cameroun sont manifestement en désuétude, sincèrement. Dans des familles, c'est l'anglais ou encore c'est le français, malheureusement. Colombe Catal, il y a quand même une frange de jeunes qui s'expriment. Est-ce qu'ils assument? Oui, heureusement. Il y a des parents encore qui s'évertuent, n'est-ce pas, à inculquer ces valeurs à leurs enfants. Et il y a un détail qu'il faut relever, ça c'est moi qui le dis. Je me dis que les gens essaient un peu de rattacher l'usage des langues coloniales à un peu de luxe. On se dit, une personne qui parle essentiellement ou alors qui est davantage versée à la langue maternelle un peu rétrograde par rapport à celui qui s'exprime encore que on a rarement fait l'éloge de quelqu'un qui s'exprime très bien en sa langue. Mais on a l'habitude de dire il est éloquent, n'est éloquent dans notre contexte que celui, n'est-ce pas, qui est grandiloquent dans la langue d'autrui, que ce soit en français ou en anglais. Alors, cet état des choses amène beaucoup de parents à s'investir davantage, n'est-ce pas, dans l'enseignement de la langue, des langues coloniales par eux et même aussi dans des établissements. Alors, il y a, je disais tantôt, une minorité, n'est-ce pas, qui s'exprime. Ils assument, ils sont contents. On a vu un qui a dit qu'il vit à l'étranger. Bon, devant les caméras, il a été modeste. Il nous a dit qu'il vit en Europe depuis un bon bout de temps. Et qu'il n'a pas oublié un seul mot, une seule expression. C'est pour lui quelque chose de bien. Il en est fier. Il est très très fier de savoir qu'il s'assume en tant qu'appartenant à telle communauté. Il est en mesure de l'exprimer. On a vu un autre jeune alors, qui disait que, bon voilà, depuis l'enfance, avec l'aide, le soutien des parents, il s'exprime. Par contre, puisque nous sommes dans la logique de ceux qui vont assumer, on se rend compte que ceux qui ont du mal à s'exprimer ont honte. On a vu le visage de cette jeune fille-là. Ça manquait d'assurance. Alors, on ressentait quand même qu'il y avait comme une... Elle était entourée de quelques zones de malaise, là. Voyez-vous, c'est à coup sûr qu'elle se rend compte que le fait qu'elle ne parle pas, qui pouvait sembler banal, avait de l'importance. Maintenant que nous sommes placés devant eux, nombreux étaient ceux qui n'osaient pas dire devant la caméra que je ne m'exprime pas. Elle me disait hors caméra que oui, je ne peux pas mettre devant la caméra, je ne peux pas, parce que c'était, il était finalement établi que c'était quelque chose entre guillemets de honteux.
Alors, on se rend donc en fin de compte qu'il faut vraiment que les parents, notamment les parents, s'investissent davantage dans l'apprentissage, je veux dire dans l'enseignement des langues maternelles. Dans l'apprentissage aussi, parce qu'il y a des parents qui ne s'expriment pas. Malheureusement, oui, malheureusement, il y a des parents. J'ai évoqué en fait le fait des familles exogamiques. Ça peut arriver qu'un Douala épouse par exemple un Bamoun. On comprend quand même que c'est deux extrêmes. Dans la communication, il est normal que le français prévale, le français soit courant, mais il n'est pas exclu que la maman, de temps en temps, inculque des expressions, et puis le père aussi, ça profite à l'enfant. Donc, c'est un devoir, quoi qu'il en soit. Mais il est beaucoup plus honteux, je le relevais dans le reportage, que deux parents de la même communauté, voyez-vous, ne soient pas en mesure de changer avec leur enfant leur langue. Sincèrement, que ça s'arrête. Je vais le dire comme ça, que ça s'arrête. Merci Colin Bekata. Une fois encore, vous avez planté le décor de cette émission. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bien sûr, Adi, tu permettais de dire, bon, Minabonouti, tout là, ce sont des Inassa. Révérend Daniel, comment comprendre que deux parents qui s'expriment dans la même langue ont du mal à transmettre cela à leur enfant? Oui. Qu'est-ce qui apporte cela? C'est que ces deux parents, peut-être que tous les deux travaillent dans leur bureau ou dans leurs entreprises, n'est-ce pas? Ils sont toujours dans la mêlée. La communication avec leurs collègues n'est qu'en français ou en anglais. Tous les deux. Alors, quand ils rentrent dans la famille, cette tendance est présente en eux. Et à cause de cela, facilement à la maison, au lieu de dire à l'enfant « Wanyamba Madiba, hein, ça va plutôt s'exprimer, apporte-moi un verre d'eau. » Donc, les parents, tout part de la famille. Tout part de la famille. Parce que c'est dans la famille que ceux qui sont dans la société sont en quelque sorte moulés. Si c'est bien moulé, effectivement, on va avoir un bon citoyen dans la société. Et dans le cas des unions mixtes, on en parlait tout à l'heure, lorsque les deux conjoints ne s'expriment pas dans la même langue, comment est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on transmet à l'enfant? Oui. C'est quelle langue qu'on transmet ça, à l'enfant? Ça aussi, n'est-ce pas, disons, par exemple, cette union, supposons que les enfants ne sont pas vite arrivés. Les deux parents ont vécu ensemble 1 an, 2 ans. Ça, c'est le moment où, effectivement, l'époux doit faire des efforts pour amener son épouse, n'est-ce pas, à parler sa langue. Et parfois, c'est un peu difficile, un peu honteux. C'est difficile, surtout à l'âge adulte. On a du mal à assimiler facilement les langues. Assimiler ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, il faut amener votre épouse chez vous. Au village. Au village. Vous la laissez avec ses belles-sœurs. Oui, il faut la laisser avec ses belles-sœurs. Il faut l'amener à visiter les grands-mères. Et surtout, voir dans le village, y a-t-il une association de femmes de village? Et là, elle va s'intégrer et, quel qu'en soit le cas, avec un temps, un mot, deux mots, elle va commencer à s'exprimer. Et dans le cas où elle ne s'exprime pas, au finish, que les enfants arrivent, qu'elle n'arrive pas encore à s'exprimer, comment est-ce qu'on gère? Qu'est-ce qu'on transmet aux enfants? Bon, là, ça devient un peu difficile. Par exemple, j'ai la Bible en Douala. Et je le dis honnêtement, j'ai jamais été à l'école de la langue Douala. J'ai jamais été. Mais auprès des parents, j'écoutais beaucoup. Et un jour, je me suis dit, je vais lire. J'ai commencé à lire. Et finalement,
je peux lire la Bible en langue douala. Avec ça, vous amenez votre épouse. Moi, par exemple, mon épouse est de Woum, très loin après Bamenda. Voilà. Or, aujourd'hui, c'est plutôt ses co-épouses qui viennent me dire que vraiment, elle est en train de faire beaucoup d'efforts. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est à féliciter. Et de temps en temps, n'est-ce pas, c'est elle qui me dit, bon, je crois qu'il est temps, les enfants, il faut. Donc, elle me fait ce soutien. C'est pas parce qu'elle n'est pas ici, mais vraiment, j'ai apprécié ce geste de sa part. Et c'est sûrement un geste de cœur, révérend. Notre deuxième invité nous a rejoint, la coach Samet est avec nous. Bonsoir, coach. Bonsoir, Adi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous allez bien, coach? Oui, très bien. La langue maternelle est-elle suffisamment considérée dans l'éducation de nos enfants de nos jours, coach? Disons qu'il y a un réveil maintenant. Il y a un réveil qui va dans le sens du sentiment d'africanité qui commence à monter un peu partout en Afrique. Oui, ça commence, mais bon, disons, il n'est jamais trop tard, mais on en a pris du temps pour être conscient de ça. Donc, est-ce qu'il y a un réveil? Oui, il y a un réveil, ça commence de plus en plus. On voit ça dans les écoles, dans les associations. On voit des efforts personnels même qui sont faits. Donc, il y a vraiment un réveil. Jusqu'à un moment, nous-mêmes, nous n'avons pas mené une guerre contre nos langues maternelles. On a suivi le monsieur dans le reportage qui parlait de honte tout à l'heure. Oui. Oui. À s'exprimer en public en langue. Oui, effectivement, on l'a fait. Je pense que ça a été fait de façon inconsciente parce que c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Moi, j'ai la chance, ou la malchance, ça dépend, d'avoir des ascendants de 4 régions différentes du Cameroun. Donc, je n'arrive pas à être, je vais dire, tribaliste, si on peut dire comme ça, parce que je suis une sorte de sang-mêlé. Mais ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que mes parents trouvaient que lorsqu'on parle une langue maternelle, on ne va pas bien comprendre le français à l'école, puisqu'on parle le français à l'école. Alors, ils mettaient un point d'honneur à ce qu'on parle un français correct. Et aujourd'hui, je parle mieux le français que toutes mes autres langues. Oui, j'ai réussi à m'adapter à l'école, mais avec le temps, je me suis rendu compte que les langues maternelles n'étaient en rien un frein. Et finalement, j'ai recommencé à apprendre. Ça n'a pas pris exactement. Ça fait qu'aujourd'hui, je parle toutes mes langues maternelles, mais par instinct, il y a des mots français qui vont toujours s'intégrer parce que... c'est pour dire qu'il y a un problème. Les parents l'ont fait peut-être, ce n'était pas de mauvaise foi, mais cette décision nous a rattrapés, ça c'est sûr. Et les enfants de nos jours, est-ce que vous avez les sentiments qu'ils sont même intéressés par la langue maternelle, qu'ils veulent apprendre? Non, aujourd'hui pas beaucoup. Aujourd'hui, vraiment pas beaucoup, parce que les enfants trouvent que la langue maternelle, c'est un accessoire. Et par la force des choses, ils sont arrivés à l'essentiel. On va peut-être arriver là-dessus. Ils ont compris que la langue, c'est un moyen de communiquer. Alors, si je peux communiquer avec mon ami en camfranglais, je ne vois pas pourquoi je parlerais le douala. Et même lorsque tu parles le douala au milieu des gens qui sont en train de parler le camfranglais, c'est toi qui es bizarre, c'est toi qui est mal vu. Or, on sait que les enfants ont ce sentiment de bande, ils aimeraient vivre en bande. Donc lorsqu'ils voient comment il va être au banc de la société, même son douala qui sait parler, il se débrouille à faire comme s'il ne sait même pas parler, pourquoi on ne se moque pas de lui. Et c'est vraiment, vraiment un tort. Et ça nous interpelle, nous les parents, à rendre nos enfants fiers. C'est à nous de montrer aux enfants que, mais non, quand tu dis à l'enfant que vraiment, ça enlève quoi sur lui? Au contraire, ça maintient son identité. Parce que ce qui est certain, c'est que d'une façon ou d'une autre, mes amis, nous tous, on appartient à quelque part. Nous tous, on vient de quelque part. Mais ça, montrer que vous venez de quelque part ne veut pas dire que vous êtes contre l'étranger. Donc, vous voyez, on peut gérer les deux. On peut vraiment gérer les deux. Révérend Daniel, est-ce que les parents expliquent à leurs enfants le bien fondé de s'exprimer en langue, les vertus? Il y a peu de parents qui le font aujourd'hui. Comme tantôt madame a dit, les parents exigent que les enfants parlent soit un bon français ou un bon anglais. Vous ne trouverez pas des parents qui ont pris des répétiteurs
pour apprendre le bassa. Vous ne trouverez pas. Mais on va prendre des répétiteurs pour l'anglais ou le français. C'est une bonne chose parce qu'on a besoin que nos enfants soient éduqués. Ok, mais l'essentiel nous échappe quand la langue maternelle n'est pas vraiment maîtrisée. Quand nous partons, par exemple, excusez-moi d'utiliser, chez les tradis praticiens, les tradis praticiens ne s'expriment ni en français ni en anglais. Ils s'expriment en la langue maternelle. Quand ils demandent quelque chose, c'est en la langue maternelle. C'est après qu'ils sont confrontés. Bon, j'ai quelqu'un qui vient peut-être de l'Est. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment est-ce que je vais appeler cette écorce? Comment est-ce que je vais appeler ceci? Bon, il est obligé de parler en sa langue en essayant de faire voir pratiquement, voici l'écorce, voilà comment nous on appelle ça. Je suis sûr que chez vous, vous avez aussi ça. Mais c'est en langue maternelle. Tantôt, le jeune médecin l'a dit, si je rentre au village que je dois traiter ma grand-mère, mais je ne vais pas utiliser le français, ni l'anglais. Je serai obligé d'utiliser la langue maternelle. C'est la langue de la maman, c'est la langue de la mère, la langue de la grand-mère qui est importante en réalité. Donc, les parents doivent faire des efforts à partir... Je ne sais pas si je peux dire à partir de ce moment, on peut profiter de tout ce qui, l'africanisme qui est en train de s'installer. Surtout pour nous au Cameroun. Hein. Parce que quand vous regardez en Afrique de l'Est, n'est-ce pas, il y a une langue commune dans plus de 10 pays. Il y a le swahili qui se parle et qui s'écrit, qui s'apprend à l'école. Mais révérend, est-ce que chez nous, ce n'est pas parce qu'on a la multitude de dialectes qui a aussi freiné? Parce qu'on s'est retrouvés tous au même endroit, mais chacun avec son dialecte. Est-ce que ça n'a pas encore un peu freiné les élans? Disons que, quelque part, un peu, je dirais. Moi, je dirais un peu, parce qu'on a été confrontés. Mais ce qui nous a beaucoup freinés, les langues coloniales. Parce que les colons étaient très heureux de diviser ceux qui essaient de s'exprimer en une langue. Ils les divisent. Il ne faut pas. Parce que s'ils s'unissent et qu'ils parlent une langue, cela signifie que nous sommes en danger. Alors il faut empêcher cela. Donc pratiquement pour moi, ces langues coloniales ont beaucoup de force. Coach Samet, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, même au niveau des écoles. Les enfants sont encouragés à s'exprimer de plus en plus en langue. Est-ce que cela est suffisant? C'est un début. Forcément, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a un cours de, on va dire, un cours de Douala, un cours de Bassa, un cours de Medumba. Mais la langue, on la parle à tout moment. Ça veut dire que c'est un début. Oui, c'est un début, mais les parents doivent continuer à la maison. Effectivement, moi, je connais des enfants de maternelle. Parmi les devoirs qu'on donne, on demande à l'enfant d'aller demander à papa comment on dit bonjour, comment on dit bonsoir, je veux boire de l'eau, ainsi de suite. C'est le devoir. Lorsque l'enfant arrive à l'école, on note. Et puis, lorsqu'il aura la composition, il va composer en langue et puis on va prendre son cahier. On va regarder si c'est un enfant, je dis n'importe quoi, si c'est un enfant Douala. On va regarder dans le cahier les devoirs qu'on avait donnés. Et c'est là-dedans qu'on va prendre une phrase pour dire, dis-moi comment on dit bonjour en Douala. Et quand l'enfant dit, on note. Donc, c'est un début quand même. Mais c'est une interpellation pour nous, les parents. C'est en réalité à nous, les parents, d'éduquer notre enfant. Moi, je le dis tous les jours, le rôle de l'enseignant, c'est d'apprendre les mathématiques, ainsi de suite. Mais les langues et autres, c'est de notre responsabilité. Donc, c'est pas normal que c'est l'enseignant qui renvoie votre enfant à la maison pour dire que, papa, comment on dit bonjour? Parce qu'on va me donner zéro à l'école demain. Ça ne veut rien dire. C'était votre devoir naturel d'apprendre ça à votre enfant. Donc, ce que l'école fait, c'est bien. C'est un début, mais c'est une interpellation pour que nous, les parents, nous prenions les choses en charge, que nous prenions nos responsabilités, finalement, pour apprendre les langues maternelles à nos enfants. Coach, vous aviez dit tout à l'heure, est-ce que ce phénomène de honte est véritablement révolu dans notre société?
Est-ce qu'on n'a pas toujours regardé un peu quand vous vous exprimez en langue? Non, ce phénomène n'est pas vraiment fini parce que malheureusement, à force de parler les langues des autres, on a fini par nous mettre quelque chose dans la tête qui est une aberration. Et je me bats pour dire à tous les... partout où je passe, je vous en prie, il n'y a pas une langue qui est supérieure à une autre. Je vous en prie. Il n'y a pas une langue qui est supérieure à une autre. Toutes les langues ont exactement le même rôle qui est de nous permettre de communiquer, d'échanger des informations. Mais on nous a tellement mis dans la tête qu'une langue est supérieure à une autre que nous-mêmes, on se sent petit avec notre langue. Donc maintenant, lorsqu'on arrive où on parle ça, soit on fait semblant de ne pas comprendre, soit on parle tellement bien le français que quelqu'un ne va pas dire que, on va pas te demander que toi, la Jojon Lienje, ça veut rien dire. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc nous devons remonter cette flamme, rendre nos enfants fiers. Même si ce n'est pas bien parlé, il vaut mieux parler votre langue avec des fautes, mais parler quand même que de parler un français de France et puis ne pas pouvoir parler votre langue. Donc oui, il y a un complexe d'infériorité que nous avons et qui commence à partir de nous, les grandes personnes. Parce que les mariages mixtes, ça a été dit tout à l'heure, les mariages mixtes font que nous avons des enfants qui ne parlent pas très bien ni la langue de papa ni la langue de maman. Et ces mariages, généralement, ils se font en ville. Ça veut dire que papa et maman, eux-mêmes, se sont rencontrés en ville. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne parlaient pas très bien leur langue. La langue du conjoint, ça fait que le complexe commence très loin. Donc, il faut aller très loin pour commencer à dire que, mes amis, il vaut mieux mal parler votre langue et la parler quand même. Vous savez, le cerveau de l'enfant a des capacités que quelquefois on minimise. Nos enfants peuvent parler plusieurs langues à la fois. Donc, si votre enfant sait parler le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois et tout ça, et pourquoi vous ne mettiez pas le banane dedans? Pourquoi vous ne mettiez pas le baganté dedans? Puisqu'il peut parler ça, pourquoi vous le limitez? La langue, si votre enfant parle le mundumba, il est plus proche de sa culture que s'il parle très bien le mandarin. Donc vraiment, ne pensons pas qu'une langue dépasse une autre. Le rôle d'une langue, c'est permettre de changer des informations. Et si le mundumba lui permet d'échanger avec le mundumba, alors apprenez-lui ça. Révérend Gando, comment faire pour éradiquer ce complexe, ce phénomène de honte qu'on a toujours à parler notre langue en public? Ce problème est d'abord individuel. L'individu doit se décider. C'est comme un individu se décide et il dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus. Et il abandonne. Quand l'individu décide qu'à partir de maintenant, je dois m'exprimer, non seulement m'exprimer, je dois aussi écrire, je dois m'unir avec tous ceux qui parlent ma langue. Si bien que quand nous nous rencontrons dans la rue, au lieu de parler l'anglais, le français, non, c'est cette langue que nous parlons. On va se faire remarquer. On dit, ah, eux encore. Oui, eux encore. C'est une bonne chose parce que cette langue, parce que les enfants aiment toujours voir avant d'imiter. Alors, quand maman et papa sont en train de parler soit l'anglais et le français, on veut parler l'anglais de la reine Elisabeth. Bon, les enfants imitent. Et finalement, c'est facile de rester chez les enfants. Or, si ce sont nos langues maternelles que nous parlons, ce serait une très bonne chose. J'ai ma sœur, elle est à Yaoundé. Bon, depuis qu'elle est là-bas, elle travaille à Yaoundé. Quand elle va au marché de Yaoundé, au marché de Mfoundé, etc., la majorité des mamans qui sont en train de vendre là, elles parlent Yaoundé. Et elle a été obligée, elle aussi, aujourd'hui, elle parle Yaoundé. Ça, c'est déjà quelque chose que, en langue maternelle, elle peut s'exprimer en Douala, elle peut aussi s'exprimer en Yaoundé. Ça, ça fait une très bonne chose. C'est une richesse déjà. Alors, si nous, l'adulte a souvent la honte de l'adulte, parfois, ça, l'adulte veut cacher sa honte, mais malheureusement, ça le rattrape encore. Donc, les adultes doivent faire beaucoup d'efforts pour pouvoir, n'est-ce pas, parler cette langue-là. Pourquoi ne pas se retrouver dans la rue, par exemple, je ne sais pas moi, à la place à Bonanjo, au lieu que c'est le français ou l'anglais qui soit parlé, mais on doit parler une de nos langues. Quelle qu'en soit laquelle, il faut qu'on parle une de nos langues. Et c'est avec cette langue que peut-être tout le Cameroun, demain, le Cameroun va évoluer.
Coach, comment peut-on transmettre nos langues à nos enfants, nos langues maternelles? Comment est-ce qu'on peut essayer de rattraper? La première des choses qu'il faut faire, c'est décider de le faire. Il faut être conscient que c'est notre responsabilité et que notre langue nous rattache à notre culture. Il faut être conscient que si l'enfant n'est rattaché à rien, il se perd. Tout le monde a besoin de repères pour être lui-même. C'est un peu comme si on vous enlevait votre nom aujourd'hui. On vous enlève votre nom, on vous enlève votre tribu. Vous allez même devenir fou parce que vous n'êtes rattaché à rien. Humainement, l'enfant a besoin d'être rattaché à quelque chose. Donc, il faut que le parent décide de le faire. Deuxième chose, il faut que le parent passe à l'action. Il faut que le parent agisse. Agir veut dire commencer à parler. J'ai parlé quelques langues aujourd'hui. Je vous ai dit que j'ai 4 langues dans mon ascendant. J'ai parlé quelques langues aujourd'hui, quelques parties. Je suis sûr que ceux qui ont entendu ce que j'ai dit et qui vivent au village ont même trouvé des fautes dans ce que j'ai dit. Mais je l'ai fait. Donc, vous devez être conscient qu'il faut commencer par quelque part. Quand vous allez commencer à parler votre langue, l'enfant ne va pas dire comme un enfant a dit que « Hey, c'est quelle qualité d'anglais que maman parle comme ça ?» Parce que l'enfant n'a jamais entendu cette langue. L'enfant ne connaît que l'anglais et le français. Quand justement, il entend une langue bizarre, il se dit que « Mais c'est quel genre d'anglais ça ?» S'il vous plaît, parlez mal. Parlez avec des fautes, mais parlez avec à votre enfant. Ça fait qu'il commence à se familiariser avec ça. Moi, l'une de mes particularités, c'est que mon mari et moi ne sommes pas de la même tribu. Et il parle très bien sa langue et plusieurs autres langues. Je lui ai demandé comment il a fait. Il m'explique que ses parents, son père particulièrement, ne résolvaient aucun de leurs problèmes si ce n'était pas dit dans sa langue maternelle. Du coup, quand ils avaient besoin d'un peu d'argent, ils étaient obligés d'aller gratter maman pour dire que « Maman, comment on dit que je veux 25 francs ?» La mère lui souffle ça à l'oreille. Et puis, il va se mettre devant papa et il dit en patois que « Papa, je veux 25 francs. » Et fièrement, papa lui donnait 25 francs. C'était fait exprès pour exciter cette envie de parler et aujourd'hui il parle toutes ces langues sans même penser. Donc deuxième chose, prenez la décision de parler, commencez à parler. Moi ce que j'ai fait chez moi, j'ai carrément acheté les cahiers et on a commencé à faire comme à l'école, comment on dit la table, tebedi, on doit la table, tebedi, l'enfant écrit, comment on dit l'eau, madiba, ils ont écrit. Aujourd'hui là, quand les petites phrases, ils commencent à comprendre. Pourtant, au début, ce n'était pas ça. Donc, passez à l'action. C'est la deuxième chose que je veux prescrire. La troisième et dernière chose que je veux prescrire, c'est rendez vos enfants fiers. Qui n'est pas honte. Ils ne sont pas des enfants au rabais parce qu'ils parlent une langue que l'autre ne comprend pas. Leur langue est importante pour eux. La langue de l'autre aussi est importante pour lui. Donc, si vous êtes fiers, si vous rendez vos enfants fiers, ils ne vont pas cacher. Ils ne vont pas cacher ça. Dernière chose par laquelle je vais finir, c'est que je vous en prie, soyez raisonnables. Il n'y a pas une langue qui dépasse une autre langue. Si l'enfant ne sait pas parler la langue, apprenez-lui ça. Mais ne mettez pas dessus un orgueil démesuré pour qu'il pense que celui qui ne parle pas sa langue, lui, il est seulement venu se promener sur la terre. Restez raisonnable, mais restez aussi à l'essentiel que nos enfants parlent nos langues. Nous allons marquer un arrêt, c'est le moment de notre rubrique mots d'enfant. Ce soir, on s'intéresse à l'appendicite avec la pédiatre Sandrine Mendunga, rencontrée avec le concours de Hervé Ngeti. L'appendicite, c'est une maladie qui est causée par une inflammation soudaine d'une partie du gros intestin qui est située en bas à droite de l'abdomen. En fait, c'est une partie membraneuse du gros intestin qui est en forme d'un tube d'environ 5 à 8 cm et qui peut s'inflammer et créer donc une douleur qu'on appelle donc l'appendicite. C'est une pathologie plutôt un peu rare chez l'enfant avant 5 ans, vraiment rare, très rare chez le nourrisson, un peu plus fréquente chez l'enfant de plus de 5 ans et l'adolescent, un peu comme chez l'adulte. Ok, donc l'obstruction de la lumière de ce segment de tube digestif, de ce segment d'intestin du tube digestif peut être due à soit des matières fécales qui ont obstrué, ça veut dire qu'un enfant était constipé, et puis les matières fécales qui ne sont pas encore remontées peuvent entraîner une obstruction. Ça peut être dû à des matières comme des pépins de légumes ou de fruits qui
peuvent obstruer, ou alors des parasitoses intestinales qui ont créé vraiment un amas de têtes d'ascaris qui vont entraîner une obstruction et créer donc l'inflammation. Ou alors l'appendice, comme c'est un peu comme les amygdales, c'est un peu comme les amygdales, ça a des ganglions. Ces ganglions peuvent aussi gonfler et créer une obstruction. Et l'appendice va dans l'appendice parce que ce segment de membre, ce segment de l'intestin qui s'inflamme, c'est ça qu'on appelle l'appendice. Donc l'appendice va donc donner cette infection qui va donc entraîner dans l'appendicite. Les signes et symptômes d'une appendicite, chez les nourrissons et surtout les moins de 5 ans, les signes sont souvent des signes généraux. Donc c'est une pathologie, c'est une maladie qui peut nous tromper chez un nourrisson. On a souvent des nourrissons qui sont arrivés à l'hôpital avec des signes d'une diarrhée et des vomissements, un nourrisson qui est apathique, et on traite comme une diarrhée alors que c'est une appendicite. Après, ça devient, parce que comme c'est le tube digestif, avec toutes les bactéries que l'on connaît, quand il y a une infection, quand on ne la prend pas vite en charge, ça dégénère très vite. Après, on peut avoir une mort un peu rapide, on se demande c'était quoi, alors que c'est une appendicite. Donc c'est très trompeur chez l'enfant de moins de 3 ans, très trompeur. Mais c'est aussi très rare, c'est aussi rare. Maintenant, chez l'enfant plus grand, qui peut dire qu'il a mal au ventre, donc là, il y aura donc une douleur localisée surtout en bas et à droite du ventre. On pourra avoir un ventre qui ne respire pas bien. Par exemple, quand on respire, le ventre fait des mouvements, mais lorsqu'il y a une inflammation, une infection dans le ventre devient un peu dur, il est douloureux à la palpation, et le ventre ne respire, le ventre ne fait plus des mouvements de respiration. À côté de ça, on peut avoir un enfant qui a une altération de l'état général, dont l'enfant est fatigué, l'enfant a une fièvre, mais qui n'est pas très élevée dans l'appendicite. On n'a pas des fièvres de 39-40 dans l'appendicite. Sauf si l'appendicite est devenue une infection généralisée du tube digestif de l'abdomen. Sinon, la fièvre est peu élevée. À l'examen clinique, on a souvent une langue qui est un peu blanche, grisâtre, qu'on appelle une langue saburale. Et lorsqu'on examine l'abdomen, l'abdomen est vraiment douloureux, avec des signes spécifiques qui font donc penser à une appendicite aiguë de l'enfant. Concernant le traitement, lorsqu'on évoque le diagnostic, lorsqu'on suspecte le diagnostic est d'abord clinique. Mais lorsqu'on l'évoque, surtout chez le petit enfant ou même le grand, on peut faire quand même une échographie. Maintenant, le traitement est chirurgical. C'est vrai que aussi récemment, une appendicite aiguë non compliquée peut se traiter avec des antibiotiques, mais le traitement est d'emblée chirurgical et c'est une urgence chirurgicale. Donc lorsqu'on pose d'appendicite, il faudrait directement contacter le chirurgien. Concernant la prévention, elle aussi, l'appendicite est difficile à prévenir. Mais puisqu'on a vu qu'il y a des facteurs comme la constipation, il faudrait vraiment manger sainement, manger plus de fruits et légumes, éviter les aliments constipants, surtout si on a des prédispositions à être constipé. Voilà. C'était notre rubrique Mots d'enfant avec la pédiatre Sandrine Mendunga. Place à présent au cri de cœur. Cette semaine, c'est un parent désemparé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir Madame Poutou, bonsoir aux invités. Merci pour cette plateforme que vous donnez aux parents, on en avait vraiment besoin. Voilà, je suis dans une impasse et je ne sais plus quoi faire. J'ai 40 ans, mon fils est né à 13 ans, depuis assez longtemps, il s'est mis à contester tout ordre que son père et moi lui donnons. Il veut jouer au grand alors qu'il est très irresponsable. Je suis toujours derrière lui pour tout lui rappeler. Et lui multiplie les provocations à travers des comportements qui vexe. Il ne fiche plus rien à l'école, ses résultats sont en dents de scie. Mon fils a déjà reçu 2 avertissements pour comportement inadmissible. Ses profs disent tous qu'il est sur une mauvaise pente et je le vois bien à la maison. Il nous tient tête, refuse de coopérer, est le premier à claquer la porte.
Je suis essoufflée, nous avons tout essayé, punition, fessée, confiscation, rien jusqu'ici. Les choses empirent, à la moindre contrariété, il se met à crier, à argumenter, dit des méchancetés. Je me sens mauvaise mère. Il montre cet exemple chaotique à ses cadets. J'ai besoin de vos conseils. Révérend Ngando, quel est votre premier commentaire après avoir suivi le cri de cœur de cette femme? Ça fait du mal. En tant que parent, de se retrouver devant son enfant qui se rebelle, ça fait très mal. C'est comme si cet enfant ne vient pas de vous. Vous ne vous reconnaissez pas. Ça devient trop compliqué, très difficile. Donc, il y a la mauvaise fréquentation. Qui est-ce que notre enfant fréquente? À l'école, dans le quartier. Comme je l'ai dit tantôt, les enfants copient facilement. Les enfants peuvent passer et trouvent qu'il y a une maman qui est en train peut-être de parler à son fils et le fils ou la fille est en train de répondre comme si c'était son égal. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui font quoi? Au lieu que ces enfants se donnent de bons conseils, vous trouverez des enfants qui disent que, mais, qu'est-ce qu'elle a fait ta mère? Qu'est-ce qu'elle a dit? Et maintenant, ils sont en train de construire une bombe contre cette maman-là. Et la maman se retrouve devant un mur. Quels qu'en soient les cas, la maman demeure toujours la maman. Quand on a un cas pareil, la maman doit se retourner d'abord à Dieu. Ça, il le faut. Il faut offrir cet enfant à Dieu. Appeler son époux et commencer une vie. Si avant, vous ne viviez pas une vie spirituelle correcte à la maison, cette fois-ci, il faut vous concentrer, pas seulement cet enfant, mais tous vos enfants, vous offrez à Dieu. Des prières, Dieu va répondre, Dieu va toucher le cœur de cet enfant. L'enfant va craquer. À un certain moment, l'enfant va craquer. Mais ce n'est pas automatique. Cela signifie que c'est un travail de longue haleine, dur. Il faut, et c'est à ce moment que les parents doivent, n'est-ce pas, prouver que c'est notre enfant, nous n'allons pas le perdre. Au prix de notre vie, on ne le perdra pas. Donc on offre cette vie de prière. Et un jour, ne soyez pas surpris que cet enfant va venir de lui-même, se joindre à vous pour prier. Là, ce serait le début. Donc, c'est à partir de ce point maintenant que les parents doivent commencer à le prendre comme un ami. Pas le cajoter directement parce qu'il risque de faire le rebond. Et s'il fait le rebond, ça c'est sans retour. Il faut commencer tout doucement. Et quand il va commencer donc maintenant à prier, ce serait lui qui va appeler ses petits frères, ses petites sœurs. Venez, on va prier. On va prier avec maman, on va prier avec papa. Ça, c'est l'une des solutions, l'une des meilleures solutions. Et c'est compris, révérend, parce que rien n'est au-dessus de l'éternel. Kossamé, qu'est-ce qui peut pousser certains enfants à tenir tête à leurs enfants, à leurs parents? Oui, la première des choses, c'est leur état. C'est leur état naturel. La dame a parlé d'un enfant de 13 ans. Voilà, 13 ans. C'est un enfant qui entre dans l'adolescence. Donc, ça veut dire que les hormones sont en effervescence sur lui. Quelquefois, il fait des choses. Lui-même, il se surprend même à faire ça. C'est un état naturel. Je dis souvent aux gens que même les animaux adolescents sont turbulents. Donc, il y a un niveau de turbulence qui est normal, qui est humain. Nous tous, on passe par là.
Mais maintenant, l'environnement peut aggraver la situation. Vous comprenez? Si votre enfant est naturellement turbulent parce qu'il a l'âge de l'adolescence et que maintenant, il traîne avec, entre parenthèses, ce qu'on appelle les mauvais garçons, ils vont lui donner d'autres mauvaises idées. Ils vont l'entêter et lui enlever ce sentiment de culpabilité qu'il avait. Parce que quand l'enfant est, je vais dire, naturellement turbulent, quand il fait certaines choses, il n'a pas la conscience tranquille. Il n'a vraiment pas la conscience tranquille. Mais à force de traîner avec les gens qui font ça, on lui met en tête que c'est normal. Il doit même faire ça. C'est ça qui montre même qu'il est grand. S'il suit ce que les parents disent, on va être, il sera poule mouillée toujours sur les jupes de maman. Et comme il a en lui un sentiment de surpuissance, il veut donc montrer aux parents que lui, il est grand et il peut faire sans eux. Donc, lorsque votre enfant se rebelle, essayez souvent de regarder avec qui il marche. Est-ce qu'il ne marche pas avec des gens qui le confortent dans cette idée? Essayez de regarder aussi le genre de choses qui nourrit son esprit. Je veux parler des lectures, des films, des livres, ce genre de choses. S'il est toujours en train de regarder ce qu'on appelle les films d'action, qui sont en réalité des films violents, il va finir par penser que c'est quand tu es dur, un caïd rebelle, t'es dur, c'est là où tu es alors quelqu'un. Et il essaye d'être, en réalité, il essaye d'être quelqu'un d'autre. Parce qu'il fait ça juste pour avoir une carapace, mais au fond de lui, ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui rend les enfants turbulents, têtus? Regardez dans son environnement. Bon, quelquefois aussi, il y a l'exemple de la maison. Hein. Est-ce que vous-même, vous êtes des gens pacifiques? Quand vous ne vous entendez pas avec son père ou sa mère, vous réagissez comment? Quand vous êtes dans un environnement violent, vous donnez implicitement la leçon à l'enfant que pour s'exprimer, il faut être violent, il faut être dur. Donc, regardez un peu dans son environnement, qu'est-ce qui peut le rendre violent? Si vous ouvrez l'œil, vous allez trouver. Coach, je voulais en venir. Est-ce que cet enfant ne cherche pas à exprimer quelque chose? C'est possible. C'est possible. Mais généralement, à cet âge, ce que l'enfant veut exprimer, c'est que je suis déjà grangolé, moi, la paix. Laissez-moi, je peux faire par moi-même. Mais sauf que lorsqu'il aura 15 ans, il va se rendre compte que ce qu'il disait à 13 ans, là, c'était des histoires. Il pouvait même faire quoi. Mais à ce moment-là, il est sûr qu'il peut. Donc, généralement, ce que l'enfant essaye d'exprimer, c'est qu'il est grand et qu'on le laisse faire par lui-même. Mais le parent étant le parent, comme monsieur a très bien expliqué tout à l'heure, il sait très bien qu'à 13 ans, là, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, il y aura une sorte de combat qui va se faire entre l'enfant qui dit que laissez-moi, je vais faire. Le parent qui dit non, 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 je ne te laisse pas parce que tu ne peux pas faire. Donc, l'enfant essaye d'exprimer cette envie de liberté. Et c'est une envie normale, hein. C'est une envie tout à fait normale que le parent est même amené à donner à l'enfant. Sauf qu'on va lui donner cette liberté progressivement, au fur et à mesure qu'il va vous prouver sa responsabilité. Au fur et à mesure qu'il va vous rassurer, vous allez lui donner cette liberté. Parce que l'idée n'était pas quand même qu'à 40 ans, qu'il soit encore à la maison. Révérend Ngando, comment préparer les enfants à être polis? Premièrement, il y a l'attitude des parents. Oui. Parce que les enfants apprennent des parents. Les parents doivent être polis entre eux, polis avec les enfants, polis avec les voisins, polis dans leur langage et manière de faire. Parce que si les enfants apprennent que on préfère leur maman dans l'association parce que c'est elle qui, si elle n'est pas là, on ne peut pas. Les enfants aiment écouter ça. Et ceci fortifie les cœurs des enfants. Ceci commence à préparer les enfants. Ça demande ce que les parents les accompagnent. Parce qu'on ne va pas dire que oui, ça va. Non. Il faut être là. Il faut toujours avoir ce cadre autour de les garde-fous qui sont très très importants pendant leur croissance. Et comme je l'ai dit tantôt, avec Dieu. Il ne faut pas mettre Dieu à côté. Sinon, tout ce qu'on va faire va s'écrouler un jour. Il faut toujours que Dieu soit présent. Qu'on commence à les apprendre à faire les simples prières de leur enfance. Les simples petites prières. Est-ce que tu as récité ta prière? Non, maman, viens, récite. Avec ça, avant que l'enfant n'atteigne ses 13 ans, l'âge de la turbulence, là, c'est que quelque part, cet enfant a déjà des garde-fous. Cela signifie que
ses amis qui sont autour de lui, oui, ils ne peuvent plus avoir le dessus sur lui. Ils ne peuvent plus le dérailler. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ses amis vont le rejeter. On ne peut pas évoluer avec toi. Tu ne fais pas partie de nous. On le rejette. C'est une bonne chose. Vous récupérez votre enfant et vous continuez à l'éduquer. Comme ça, son caractère va être bien moulu. Oui. L'enfant a besoin de quelque chose. Comment demander? L'enfant veut s'adresser à un aîné. Comment le faire? L'enfant veut prendre soin de son petit frère, de sa petite sœur. Comment le faire? C'est là. Coach, comment gérer ce genre de conflit? Est-ce qu'il faut privilégier le dialogue, la discipline? La première des choses, c'est le dialogue. Vous savez, le dialogue, c'est déjà une discipline. Et l'avantage du dialogue, c'est que ça permet à l'enfant de comprendre pourquoi vous le disciplinez. Ça lui permet de comprendre où il va. Vous savez, nos enfants ont une très grande ouverture d'esprit aujourd'hui. Parlez avec votre enfant. Pourquoi il fait ça? Est-ce que l'enfant sait même pourquoi vous lui mettez ce que lui il appelle les barrières? Est-ce que l'enfant sait quel est le projet que vous avez pour lui? Dans le langage qu'il peut comprendre, expliquez-lui. Si vous réussissez à le faire, lui-même va vous accompagner. Associez-le, demandez-lui que si les choses étaient comment, ça t'aurait plu. Prenez dans ce qu'il dit une ou deux choses, associez ça à son éducation. L'idée, c'est juste qu'il s'associe à ce qui est en train de se faire, qu'il donne du sien et puis vous allez avancer ensemble. Donc, dès que vous avez parlé à l'enfant, maintenant, expliquez-lui la vision de cette maison. Parce que dans tous les cas, vous avez une discipline, vous avez un chemin où vous allez chez vous. Et quand il habite chez vous, voilà comment ça se passe. Dites-lui clairement qu'en même temps, vous voulez qu'il soit content, mais vous, voilà où vous allez. Et dans cette maison, c'est comme ça que ça va se passer. Et soyez disciplinés. Au début, ça va être difficile, il ne sera pas content, mais après, il va s'habituer que chez nous, voilà comment on marche. Et vous le préparez à devenir un homme ou à devenir une femme. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, à un moment, il faudra vous affirmer et puis petit à petit, l'enfant va s'aligner. C'est sur ce que nous allons refermer cette édition. Révérend Daniel Ngando Elessa, merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie infiniment. Et je suis à votre disposition, tant que vous avez besoin de moi. Je rappelle que vous êtes responsable de l'éducation dans les fédérations familiales de Douala. Merci Coach Samer pour votre contribution. Merci Adi, c'était un plaisir. À vous à la maison, merci de nous avoir suivis. Ce soir, on avait à la réalisation Georgette Jimdo, Sandra Ibodé, elle était à la console audio, Stéphane Tietua à la caméra, Cyril Nantion, il a assuré la post-production de tous les éléments diffusés dans ce numéro. Kirby Nora, elle s'est occupée de notre maquillage. Merci de nous avoir suivis, merci de rester en compagnie de nos programmes. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, c'est le prêt à Dieu.